Partir. Dis-moi les jours de ton anniversaire. Le 3 décembre. Bravo. Dis-moi maintenant, quel âge tu as eu le 3 décembre dernier? 6 ans. Et qu'est-ce que tu fais si la maîtresse te dit « Tu es trop grand pour venir à l'école? » Je lui réponds « Tous les enfants de 6 ans ont droit à l'école, libre et gratuite. » Qu'est-ce que ça veut dire, maman, libre et gratuite? Que tous les enfants de 6 ans, sans exception, doivent aller à l'école. Et l'école doit les accepter. Et qu'est-ce que tu dis après libre et gratuite? Si vous ne me croyez pas, madame la maîtresse, écrivez un mot à maman. Elle est à la maison. Nous n'avons pas le téléphone de maman. Maman nous expliquera notre situation. Tu sauras le dire. Oui, maman. Alors, ne mets pas les doigts dans ton nez. Écoute la maîtresse. Réponds. Oui, mademoiselle. Non, mademoiselle. Et regarde les tableaux. Qu'est-ce que c'est un tableau? Quand tu les verras, tu les reconnaîtras. Demande à la maîtresse de manger seule dans la classe. Dis-lui que ce sera mieux pour toi. Tu me l'as déjà dit, maman, mais alors je ne pourrai pas jouer avec les autres enfants. Attends de connaître les jeux et les fragilités des enfants. Tu es tellement grand, tellement fort. Tu pourrais les blesser. Oui, je le sais, maman. Ne t'arrête pas après la classe. Ni dans les villages, ni dans la forêt. Pour aller, je marche droit devant et je regarde le soleil monter dans le ciel. Pour revenir, je marche droit devant et je regarde le soleil se coucher. Tu seras un bon élève, mon petit. Va vite maintenant, si tu ne veux pas être en retard les premiers jours d'école. À ce soir, maman. Mon petit au gros lait, je l'ai nourri de lait, des carottes, des navets. Jamais il n'a senti l'odeur du sang frais. Maintenant, il est prêt pour l'école. Son envie de lire est si grande. Jamais il n'a goûté la viande crue. J'apprendrai à lire et à compter les jours. J'irai au village au marché avec maman. Et je porterai les sacs très lourds. Parce que je suis grand, à la première neige, j'ai eu 6 ans. Il est sorti du bois profond. Déjà, écoute l'eau des ruisseaux. J'adorerai ta faim, petit coquin. Tu te moques de mes conseils, parce que tu te sens grand. Ne te laisse pas impressionner par les rouges. Regarde-les une seule fois pour reconnaître l'école. Et puis, entre sans peur. L'école est ouverte à tous. Mon cœur a peur de tout. Ma tête imagine des catastrophes. Mais laissons la vie faire les choses.
Maman, maman, je suis rentrée. Mon petit ogrelet, j'étais inquiète. Le soleil est couché depuis longtemps. Tu as vu que je ne me suis pas perdue. Raconte-moi, je vais tout savoir. Les rouges des fenêtres brillaient et devant la porte, mon cœur battait très fort. Je suis entrée sans hésiter et j'ai reconnu tout de suite la maîtresse. Elle portait une robe russe et ça m'a fait contente. Il faut regarder le visage de la maîtresse, pas la couleur de sa robe. Mais ses lèvres aussi étaient rouges, maman, et aussi ses ongles. J'écrirai une lettre à la maîtresse. Raconte-moi la suite. Avec un sourire et la voix douce, la maîtresse a dit « Oh, tu es tellement grand pour 6 ans, va t'asseoir au fond de la classe. » Et puis, elle est allée chercher une table grande pour moi. Comme ça, tout sera bien. Les enfants de l'école sont si petits, maman, c'est incroyable, à peine plus haut que le pied de la table. Les enfants de 6 ans sont souvent petits. Et pourquoi moi je suis si grand, maman? Parce que j'étais nourrie, avec les légumes du jardin. Les chemins de l'école étaient pleins de choses à manger, et moi j'avais si faim. J'ai grignoté tout le long. Qu'est-ce que tu as mangé? Ah, si tu savais, maman. J'ai mangé des châtaignes et des mûres que j'ai trouvées dans les ronces. Je suis content. Rien pour te couper l'appétit. Je sens l'odeur des carottes des navets, maman. Brocoli, choux de Bruxelles. Tu as pris tous les jardins, hein, maman? Tu sais, moi, des fois, je voudrais manger quelque chose qui ne me fait pas grandir autant. Et dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé après l'histoire du pupitre? Avec sa voix douce, la maîtresse a dit « Ah, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Tu es tellement différent des autres enfants. » Différent? Pourquoi différent? Ne t'inquiète pas, j'écrirai une lettre à la maîtresse. « Tu es grand comme mon père, » a dit l'enfant, et puis il est parti jouer avec les autres dans la cour. Moi, je suis resté tout seul dans la classe pendant toute la récréation. Petit ou grand, la maîtresse sera contente si tu aimes les mots et les chiffres. C'est ce qu'elle a dit pour me consoler. Je peux faire mon devoir tout de suite, maman. Je dois écrire 10 fois mon nom dans la première page du cahier. Écris, mon ogrelet. Mais je n'ai pas mon nom écrit dans les cahiers de la maîtresse comme les autres enfants. Quel nom je dois écrire, maman? Lequel de mes noms va le mien? Togrolet, Nogrolet, Logrolet. Togrolet, Nogrolet sont des mots doux entre toi et moi. Jamais tu ne dois dire à l'école. Je peux écrire Simon. Simon? Pourquoi Simon? C'est le nom que tu dis parfois dans ton sommeil. Oui, Simon, c'est un joli prénom. J'écrirai Simon, c'est court et ça sonne bien. La maîtresse a dit que tu dois l'écrire toi la première fois, maman. Oui. Simon. Tu vas très bien. Je ne sais pas si je réussirai à le dire tous les jours. Je suis sûre que Simon
votre dévoué, Annie. Chafaud. Je déteste les chasseurs qui ne respectent pas ni le jour ni la nuit. Tu as mal dormi, maman. Ils ont tiré toute la nuit. Dans le noir, les heures passent lentement et les ombres me font peur. Et cette odeur descend jusque dans la chambre, la fenêtre fermée. Je pouvais sentir la blessure du loup. La maîtresse dit que le loup affamé empêche les enfants de venir à l'école et que les chasseurs sont utiles. Ici, les loups ont suffisamment à manger et les chasseurs chassent pour leur plaisir. Hier, il manquait Georges et Joseph et même Marie qui habitent de l'autre côté de la forêt. Pamela, non, elle vient tous les jours. Elle n'a pas peur du loup. Qu'est-ce que c'est un loup, maman? Un carnivore, mon petit. Un mangeur de viande crue. Ses yeux vieillent dans la nuit. Elle court plus forte qu'un enfant de 6 ans, même grand comme toi. Ne tenez pas sur sa route. Moi, je n'ai pas peur du loup. Moi, j'ai peur des chasseurs de loups. J'attends l'hiver. Le silence de la forêt et l'odeur des feuilles mortes. Moi, j'aime l'odeur de la forêt et des chasseurs, maman. N'aie pas peur pour moi. Je suis grand désormais. Regarde mes mains. Je serai capable de tordre les coups d'un loup. J'aimerais que tu restes à la maison aujourd'hui, Simon. Oh non, maman. J'ai promis à Pamela de lui faire goûter une pomme verte. Elle a dit que les pommes vertes ont mal à l'estomac. Et pour les manger, il faut attendre qu'elles soient rouges. Ah, maman. Une lettre de la maîtresse que j'avais oubliée. Tu m'as caché une lettre de la maîtresse? Je l'ai oubliée. À plus tard, maman. Arrête-toi, attends. Je dois lire cette lettre. Peut-être il y a une chose importante pour l'école. Mais c'est une lettre de l'autre jour, peut-être de l'autre semaine, et la maîtresse n'en a plus parlé. Ferme-la. La forêt n'est pas sûre. À ce soir, maman. Tu ne sors pas aujourd'hui, Simon. Tu ne peux pas m'empêcher d'aller à l'école. Et même si tu voulais, tu ne pouvais pas. Je suis trop fort désormais. J'aime l'odeur de la forêt. Je l'ai senti toute la nuit. Simon! Reviens, Simon! Ce n'est pas l'odeur de la forêt qui t'appelle. C'est l'odeur du loup blessé. Chère madame, j'aime bien Simon. Il est doué pour apprendre et appliquer dans tout ce qu'il fait. Mais il s'est passé aujourd'hui un fait bizarre dont j'aimerais vous parler. Les enfants travaillaient en silence quand le petit Thomas s'est mis à saigner du nez. La chose est banale dans une classe. C'est l'attitude de Simon qui m'a surprise. Il s'est levé comme hypnotisé, le regard fixe. Il s'est mis à 4 pattes. Et il a suivi les traces de sang du pupitre de Thomas jusqu'aux toilettes avec un sourire étrange. J'ai eu peur et j'ai envoyé les enfants en récréation. J'ai lavé le sang à grande eau et quand Simon est rentré, il avait retrouvé son regard tendre et son sourire d'enfant. J'aimerais vous rencontrer avant la réunion des parents.
Vous pourrez sûrement m'aider à comprendre ce comportement. Bien amicalement, la maîtresse de Simon. La maîtresse de Simon? J'allais où mes jambes m'ont porté. Et mes jambes m'ont amené si loin que je ne reconnaissais plus les arbres et les sentiers. Ah, je suis tombé et j'ai dû m'endormir parce que quand je me suis réveillé, il y avait le silence tout autour. Et une odeur de rose si fort, plus fort que l'odeur de la forêt. J'avais la tête dans un rosier en fleurs. Tu as rêvé, mon petit. Les rosiers ne fleurissent pas en octobre. Regarde les éraflures des épis, maman. Je vais te faire une compresse de choux et demain, tu seras comme neuf. Et je peux retourner à l'école, maman, quand tu auras fini. Non, je vais moi à l'école. Je vais dire à la maîtresse que tu es malade. Demande à la maîtresse de te donner le travail de la journée. Je le ferai à mon réveil. Il faut que je trouve les rosiers qui a ramené mon fils à la raison. Ah. Ah.
mari. Elle dort finalement. Elle me surveille de matin au soir et de soir au matin. Simon, c'est toi. Simon, la nuit, la forêt sont dangereuses pour les envoler. Simon. J'emploie ce mot en sachant qu'il vous donnera du chagrin, mais aucun autre ne peut décrire ce que j'ai entendu. Puis, Simon est retourné jouer, comme si rien ne s'était passé. Je crois qu'il faudrait envisager de retirer Simon de l'école quelques jours. J'ai craint pour la sécurité des plus petits. Et rugissez. Tu ne dors pas, maman. D'où viens-tu, Simon? J'avais trop chaud dans les lits et la lune brillait très fort. Ne me dis pas que tu es sorti pour regarder la lune. Je ne me souviens plus. J'avais faim, maman. Rappelle-toi. Un lièvre est passé entre mes jambes. Qu'est-ce que tu as fait? Je me souviens du goût salé. Rappelle-toi, Simon. Je me souviens seulement de la faim qui m'a tordu l'estomac. Fais un effort. Je me souviens de ce goût fantastique dans ma bouche qui n'est pas le goût insipide de la veille de carottes. Tu as tordu le cou à ce lièvre qui ne t'avait rien fait. Et tu l'as mangé tiède et cru. C'est son sang que tu as sur la bouche. Va te laver. Et quand tu seras propre, je te raconterai une histoire que tu dois connaître. Tu as appris le mot père à l'école? Oui, je l'ai appris. Tous les enfants ont un père. Toi aussi, tu as un père, Simon. Dis-moi où il est, maman. Je ne sais pas où est ton père. Il est parti une nuit de pleine lune. Il est parti à cause de moi. Non. De toi, mais pour toi. Ton père était le plus grand, le plus fort du village. Tu lui ressembles beaucoup. Tu lui ressembles aussi par le goût des viandes crues que cette nuit t'a fait sortir dans la forêt gelée. Dans tes veines, il y a mon sang et le sien. Et le sang de ton père est celui d'un ocre.
Un ogre. Un ogre ne mange pas, il dévore. Et tu sais quel est son plat préféré? Tu dois me le dire, maman. La chair tendre des enfants. Un ogre peut avoir envie de manger des enfants. Un ogre, oui. Quand j'ai rencontré ton père, je ne savais rien. J'ai voyé seulement le bleu de ses yeux et sa main qui prenait la mienne. Et les roses qu'il me donnait en hiver. Chose que personne d'autre ne savait faire. Nous avons eu une petite fille. J'ai une petite sœur. Tu aurais une grande sœur de 15 ans. Si... C'est quoi, maman? Si Alexandrine n'avait pas disparu mystérieusement à l'âge de 2 ans. C'est ce que ton père m'a dit et je l'ai cru. J'étais désespérée. Alors j'ai mis toute mon âme pour avoir une seconde fille que nous avons appelée Béatrice. Béatrice. Elle est tombée dans un ravin à l'âge de 2 ans. C'est ça que mon père a raconté. Oui. J'ai commencé à douter de tout. Je surveillais la petite Céleste, notre 13e fille. Mais ça n'a pas suffi. J'ai eu 3 autres petites filles. Dorothée, blonde comme les blés. Élise, si douce dans sa robe grise. Fabienne. Arrête, maman. Toutes mes sœurs disparues. J'étais enceinte de toi, de soi, 7 mois. Ton père était très content. Moi, inquiète. J'ai juré de suivre à chacun de tes pas jusqu'à l'âge adulte. Et qu'est-ce qui s'est passé, maman? Une nuit, je me suis réveillée et le lit était froid. J'étais seule avec toi dans mon ventre. Et sur la table, j'ai trouvé cette lettre que tu dois lire maintenant. Ma chère amie, tu as perdu 6 filles sans savoir ni comment ni pourquoi. Quand j'étais petit, mon père me racontait pour m'endormir l'histoire d'un ogre affamé et cruel avec des détails qui me faisaient dresser les cheveux sur la tête. Je sais maintenant que l'ogre, c'était lui et qu'il me préparait pour l'avenir. Mon grand-père aussi était un ogre. Mon enfant, il me disait... Il y a un remède à cette terrible maladie. Il faut réussir à 3 épreuves, l'une après l'autre et dans l'ordre. Ma chère amie, je te décris les 3 épreuves pour que tu me suives en pensée. Je dois d'abord m'enfermer dans le lever du soleil à l'autre avec un coq blanc et de l'eau. Si au matin du 2e jour, les coqs chantent, la première épreuve est réussie. Elle est réussie. Pour la 2e épreuve, je dois vivre durant 7 jours dans un lieu clos avec un loup. Si à la fin de 7 jours, le loup affamé s'enfuit dans la forêt, la 2e épreuve est réussie. Et enfin, pour la 3e épreuve, je dois rester 28 jours enfermé avec un enfant. Si au terme de la course de la lune, l'enfant chante en passant la porte, la 3e et dernière épreuve est réussie. Et l'ogre qui est à moi guérit. À bientôt, mon amour. Je reviendrai quand j'aurai réussi les 3 épreuves. Ton mari, Simon. Il n'est pas revenu depuis 7 ans. Et les 3 épreuves l'une après l'autre ne durent pas plus d'un mois. Je suis le fils d'un homme qui a mangé toutes ses filles. Tu es mon petit ogrelet. Ne m'appelle plus ogrelet. Je suis Simon, Simon de la forêt comme à l'école. Ah, je n'ai pas besoin d'un père. Je n'ai jamais eu de père. Et je ne le veux pas maintenant. Viens t'y coucher. La nuit porte conseil.
Je voudrais dormir pour toujours. Tu, Simon? J'ai réfléchi, maman. Je vais être prêt avant l'aube. Moi aussi, j'ai réfléchi. Nous partirons pour le cœur de la forêt. Mais là, il n'y a pas d'école. Ce sera moi, ta maîtresse. Tu n'as pas compris, maman. Moi, je vais aller à l'école. C'est depuis que tu vas à l'école que je vois dans ton regard la faim sauvage grandir. J'ai peur. Je vais aller à l'école, maman. Imagine. Imagine que la fin des chairs humaines te prenne aux pleines leçons de français. Quand je retournerai à l'école, j'aurai réussi les trois épreuves. Je vais réussir les épreuves. Je vais être avec Pamela. Ce n'est pas possible, Simon. Ton père était dans la force de l'âge, amoureux, et bientôt père pour la septième fois, et il n'a pas réussi. Moi, je réussirai, maman. Je sais où trouver les coqs blancs. Une cabane de chasseurs abandonnée. Quand tu seras adulte, tu décideras toi-même. Mais sera trop tard, maman. J'aurai pour toujours le goût de vaincu qui grandit avec moi. Si je ne réussis pas, nous partirons dans la forêt où tu pourras me surveiller jour et nuit. J'y vais, maman. Les jours s'élèvent. Attends, Simon. Je te donne de la nourriture. Une veste plus chaude. Simon! C'est moi! Le début de l'épreuve, petite coque. Tu es brave et je t'admire parce que tu as beaucoup à perdre aujourd'hui. Dans un face-à-face qui n'est pas entre toi et moi comme tu penses, mais entre moi et moi-même. Mon père a-t-il mangé les coques, les loups, la petite fille, ou tous les trois l'un après l'autre? L'école enseigne beaucoup plus qu'à lire et écrire. C'est là que j'ai connu Pamela. Et c'est Pamela qui m'a donné les coques. J'ai de l'eau, des bois pour les feux, et un couteau que j'aurais dû laisser à la maison. Oh, ce couteau n'est pas innocent. Et maman, maman tremble de désir. Oh, maudit couteau! La maîtresse dit qu'il faut cultiver le désir comme une plante à son jardin. Il faut les sentir naître, les garder grandir. Et il faut faire comme ça avec tous les désirs. Celui de chocolat, d'une poupée, d'une épée. Et moi maintenant, j'ai le désir d'un corps blanc. La maîtresse doit se douter de quelque chose. Parce qu'une fois, elle m'a gardé après la classe et elle m'a dit « Mon petit Simon !» Pour lutter contre le désir brutal, occupe tes mains et ton esprit. J'ai un coq innocent et un couteau pour les tuer. Occupez les mains et l'esprit, a dit la maîtresse. N'aie pas peur, petit coq. Je n'utiliserai pas le couteau pour te tuer, mais pour tailler un coq dans les bois et les donner à Pamela. Thank you.
Le coq a chanté. Simon ne doit pas être loin. Coucou, maman. Simon, qu'est-ce que tu as fait? Ce que tout le monde fait, ça est mort. Tu as tué le coq. Mais sans avoir lui fait de mal, maman. Et parce que je rêvais d'un coq au vent que nous mangerons ensemble à table. J'ai aussi nettoyé parce que le coq a chanté. Et j'ai pensé à toi, qui t'es privé de sa viande délicieuse pendant tout ce temps. Tous les jours, les coqs mangent les vers. Les hommes mangent les coqs et c'est comme ça que les enfants grandissent. Il n'y a rien à faire. Regarde ma bouche, maman, pas de sang. Et dans mes yeux, tu verras seulement la fierté de te donner un festin. Tu as entendu les coqs chanter? Oui, les coqs a chanté. J'ai réussi les prêts, maman. Et maintenant, j'ai faim. Tu vas bien à savourer ta victoire. Mais rappelle-toi, il y a encore 2 épreuves. Tais-toi, chien de nuit. La porte est fermée et tous les loups de ta motte ne pourront pas t'aider. Tu vas attirer les chasseurs et les chasseurs sont sans pitié. N'aie pas peur, je n'ai pas le droit de te tuer. Calme-toi, demain à l'heure du coq-chat, je ferai la 7e coche dans le mur et tu seras libre de courir dans la forêt. Arrête à ta place, je laisserai la mienne. Chien de nuit, tes yeux me font peur et la peur me rend méchant. Ferme les yeux, ferme les yeux. Je n'ai pas besoin d'un fusil pour te faire taire. Je peux te casser les coups avec les mains. Je sais que je peux le faire parce que je l'ai déjà fait. Ah oui, je me souviens maintenant. Il m'est vraiment passé un lièvre entre les jambes et moi, je l'ai laissé filer. Il y avait un loup qui courait derrière lui, la gueule ouverte, les crocs pointés, et mes mains dansant pour dormir comme fait terre. Ferme tes yeux, ferme tes yeux, ferme tes yeux. Comment j'ai pu tuer un loup qui ne m'avait rien fait? Mais alors, je ne l'ai pas tué. Va-t'en! Va-t'en maintenant! Va-t'en! Tu as déjà fait ton devoir. Et quand nous reviendrons dans la forêt, si tu vois que mes mains s'approchent trop de ton cou, hurle de toutes tes forces! Je te reconnaîtrai. Maintenant, je sais que je dois me méfier de mes mains plus encore que de mon sang. C'est dommage. Il manquait si peu de temps à la coche du 7e jour. Tu as les yeux d'une chambre battue, Simon. C'est la fatigue ou la tristesse? Je ne le sais pas, maman. Je ne comprends pas les loups. Ton loup était un loup. Je reconnaîtrai ses hurlements qui sonnaient les heures. Loup ou loup, c'est pareil, maman. Moi, j'avais seulement un désir, la faire taire. Elle s'inquiétait pour ses louveteaux affamés. Tu penses que moi, j'ai bien fait de la laisser partir avant l'aube? Oui, tu as bien fait. Les loups ne comptent pas le temps comme nous. Et j'ai senti son angoisse monter d'heure en heure. Je suis heureuse que les 7 jours soient passés. Oui, mais je n'ai pas osé de faire la 7e coche dans le mur. Tu as les mains propres. Et la loup est avec ses petits dans la forêt. Tout est comme il se doit. Simon,
Tu as réussi la deuxième épreuve. Laisse-moi partir, maman. Je dois réussir la troisième épreuve. Qui tu manges un coq, je peux accepter. Qui tu risques la vie d'un loup, je peux comprendre. Mais qui tu prends un enfant en otage 28 jours, jamais. Pourquoi tu m'as laissé tenter les deux premières épreuves? Parce que je pensais que tu ne réussirais pas. Tu m'as trompé, maman. Tu m'as menti. Tu savais dès le début que nous partirions vivre dans la forêt, cachés et inquiets. Jusqu'à la fin de nos jours. Au fond de la forêt, tu pourras oublier. Je ne vais pas oublier. Comprends, Simon. Je ne vais pas comprendre. Je vais réussir la troisième épreuve. Tu sais, mes 6 filles sont mortes parce que je ne les voulais pas comprendre. Je ne vais plus sentir ton regard entier sur ma bouche quand je rentre et sur ma nuque quand je sors. Je veux être libre. Arrête-toi, Simon! Je vais vivre avec toutes les couleurs. Je vais manger des fraises, des framboises. Et je vais regarder les enfants jouer, sans savoir le cœur qui se sent. D'une pleine lune à l'autre, il y a 28 jours! 28 jours! Une éternité! Maman, me voilà! Simon! J'ai réussi la troisième épreuve. Vite, il faut partir avant que les chiens te trouvent. Nous pouvons rester ici, maman. Je n'ai pas mangé, Pamela, j'ai réussi. Mais comment je peux te croire? Tout le village pleure, Pamela. La maîtresse a été mise à la porte pour que... Elle savait, elle n'a rien dit. Et toi, tu me dis que tu as réussi? Pamela est chez elle maintenant. Et sa mère est en train de lui servir une soupe de poulet. Pamela est chez elle. Mais qu'est-ce que tu dis? Elle a été reçue comme une reine. Son frère et ses sœurs ont crié de joie. Sa mère a pleuré et son père a tué un cochon. Nous sommes invités ce soir à manger du boudin. Qu'est-ce que tu as, maman? Pourquoi tu me regardes avec les yeux qui posent des questions et donnent les réponses en même temps? Je ne comprends rien, Simon. Tu as enlevé une petite fille de ta classe. Tu m'as laissé sans nouvelles. Et puis tu reviens et tu me parles de soupe de poulet et de boudin. J'ai réussi mes prêts, maman. Tous les villages le savent maintenant. Même la maîtresse. Je l'ai rencontrée sur le chemin.
Elle a dit qu'elle n'avait jamais douté de ma réussite. Mais pourquoi, toi, moi? C'était une idée de Pamela. Regarde. Tes dents de lait! On a entendu que mes dents de lait tombent. Mais pourquoi tu m'as laissé sa nouvelle? Tu ne m'as pas écrit. J'ai ici une lettre pour toi, maman. Pour Annie? Où as-tu trouvé cette lettre? Dans les bouquets d'hier. Les bouquets? De quoi parles-tu? Le premier matin, Pamela et moi, nous nous sommes réveillés en entendant des pas sur le toit. On a eu peur. Quelqu'un avait trouvé notre cachette. On a eu plus peur encore quand on a entendu que quelqu'un avait lancé quelque chose dans la cheminée. C'était un bouquet de roses blanches. Blanches et odorantes? Tous les matins, les parents réveillaient. Et tous les matins, nous avons trouvé un bouquet de roses blanches fraîches. Pamela mettait les fleurs sur la table. Et moi, je m'asseyais en face d'elle, avec les fleurs entre nous deux. Et toutes les fois que le goût de sang me montait la tête, Pamela posait les fleurs sous mon nez. Et le goût de sang fondait, comme par miracle. Tu peux lire tranquille ta lettre, maman. Moi, je vais m'habiller pour le dîner. Pamela m'aime vraiment beaucoup parce que, en réalité, moi, son petit orteil, j'ai essayé de la manger, mais je ne l'ai pas avalé. Je l'ai gardé ici, dans ma poche, avec une petite goutte de sang chassé qui ne veut pas partir.
Merci.